Yo les gars, c'est Herbé, bien le bonsoir, bienvenue pour une toute nouvelle vidéo sur Bloxery. Aujourd'hui, on va aller prendre tous les coffres de Bloxery. Pourquoi, me direz-vous? Parce que j'adore l'argent. Non, en vrai, c'est vraiment pas pour ça, c'est parce qu'il y a un Fist of Darkness qui va pas tarder à spawn. Ça va faire 4 heures que mon serve, il est open. Et on va pouvoir potentiellement avoir un Fist of Darkness en prenant un coffre. Parce que quand vous êtes dans un serve privé et que vous venez d'ouvrir votre serve, et ben au bout de 4 heures, un Fist of Darkness va spawn dans un coffre. Et il faudra du coup simplement prendre le coffre. Je crois que ça fait pas exactement 4 heures. Je peux pas savoir. Ça fait combien de temps, genre ici là? Attendez, non, je peux pas savoir. Ok, ça doit faire à peu près 3h57, un truc comme ça. Donc je vais fouiller à peu près tous les coffres du jeu. Ah, attends, ouvre-toi Sésame. Voilà, et à un moment, il y aura le Fist of Darkness qui va être pris. Hein. J'espère vraiment qu'il va être pris. Hein. J'espère vraiment que je vais réussir à l'avoir. Techniquement, tout devrait bien se passer. On verra bien comment ça va se passer. Et ce Fist of Darkness, je vais directement l'utiliser. Pas pour Barbe Noire, non. Je vais l'utiliser pour la race cyborg. Et ouais, et moi, je veux être un cyborg, les bros. Donc c'est parti, on continue à tout prendre. Deux vampires. Ok, j'ai débloqué un nouveau titre. Ok, c'est assez stylé. Et je pense vraiment, là les gars, attendez, je vous tiens encore un petit peu. Ok, rien ici. Très bien. Et ben, vous êtes prêts les gars? Dans 3 secondes, on va voir le Fist of Darkness. Vous êtes prêts? 3, 2, 1. Let's 0, mince, 0. Wouhou! Let's go! Nos titres débloqués. Oh là là, l'item a été open dans le coffre. Et ouais les gars, vous avez vu, je l'ai eu dans les 3 secondes qu'on subit le Fist of Darkness. Oh là là, je suis quelqu'un d'heureux les gars. Je l'ai enfin eu. Attendez, je sais pas trop où prendre un screen. On voit les gars, faut bien sûr la miniature. Attendez, marqué YouTube avec un N. Voilà, nickel. Hop là. Là, si je fais ça, les gars, attendez, faudrait que j'enlève ça vite fait dans mes paramètres, là. Et là, hop, je prends le premier petit screen comme ça. Je pense que je vais en reprendre un doigt. Les gars, je peux plus prendre des miniatures. Je vais vous expliquer avec mon clavier. C'est pas si simple que ça. Hein. Mon clavier, il est un peu contre moi. Attendez, les gars, on va choper un autre endroit. On va, hop, je réactive ça. On se respawn là comme ça. Et là, je le réactive une autre fois. Ah, non, j'ai mis double slash. Ok, nickel. C'est bon, on est de retour. Parfait. Et là, on peut en prendre genre un peu plus par là-bas comme screen. Oh non, mais le Fist of Darkness. Oh, je suis heureux là, les gars. Là, je suis quelqu'un d'heureux. Le Fist of Darkness me possède. Eh oui, let's go. Regardez-moi ça. Oh là là, c'est beau. Et hop là, le second screen a été pris. Et du coup, avec le petit Fist of Darkness, on va pouvoir l'utiliser pour avoir la race cyborg. Est-ce qu'on va l'avoir aujourd'hui? Non, très probablement que non. Pourquoi? Il ne faut pas Trafalgar de Waterloo. Sauf que je ne suis pas assez puissant pour le battre pour le moment. Du coup, là, je vais acheter mon petit bateau comme ceci. Ok, voilà, parfait, let's spawn. Et on va pouvoir mettre le petit Fist of Darkness dans ma petite capsule. Et après, bah, j'aurai juste à battre l'eau. Et du coup, j'aurai 2,5% de chance de drop le core brand. Et ça, on y fera quand ça, du coup, un petit peu plus fort ou quand j'aurai des gens avec moi se battre l'eau, franchement, en étant solo. Ah, je vous le dis, les gars, c'est vraiment pas simple. Hein. Oh, le voyage, les gars, il était lent. Oh là là, le bateau, il est si lent. Avoir là le petit light. Ah, ça me mettrait, franchement, les gars, je vous le dis, ça me mettrait bien. Là, du coup, faut qu'on monte tout en haut. Ok, bah, je vais nous dire, c'est parti. Hein. On se rapproche le plus possible avec notre bateau, hein. On est plus rapide avec notre bateau qu'à pied quand même. Hop, là, on marche dessus pour gagner des petits centimètres. Et là, hop, on commence à s'envoler. Et là, boum, t'as pas ta chaîne, nickel. Là, on rentre du coup à l'intérieur et on va pouvoir mettre notre Fist of Darkness dans la petite capsule. Normalement, j'ai juste à appuyer et ça va marquer un message en haut et j'aurai plus de Fist of Darkness. Vous êtes prêts? 3, 2, 1... Ok, voilà, let's go. Ton Fist of Darkness a été donné. Maintenant, il va falloir que tu aies le Core Brain pour continuer. Ok, le Core Brain va pas être si simple que ça, les gars, à obtenir. En vrai, j'ai bien envie d'essayer de faire une fois un petit lot. Sauf que j'ai pas assez de fragments pour le faire au moins une fois. Est-ce qu'il y a pas moyen, les gars, que j'arrive à négocier un petit Shizuto qui vienne avec moi pour m'aider à faire ça? Ah, je crois bien, les gars. Donc, vous savez quoi? On va appeler Chichi et on se retrouve pour faire l'eau. Et ça se trouve, on va réussir à avoir le Core Brain direct. Si c'est ça, c'est complètement fou. On verra bien. Bref, on se retrouve avec Chichi. Les gars, il fait toujours nuit parce que j'ai réussi à convaincre Shizuto assez rapidement. Il est censé arriver dans peu de temps. Chichi, es-tu là? Oui, bah je suis à la facto. Ah, tu es? Ah ouais? Ah ouais, mon spawn il est à la cafette. Ah non, mais pas à facto en fait, laboratoire, je voulais dire. Ah, en fait, ok. J'ai un petit peu besoin de toi pour deux choses. Je t'excroque jusqu'au bout, mon buzzer. Ouais. Faut que t'achètes un truc avec tes fragments et faut que tu m'aides à le battre. Voilà, voilà à peu près pourquoi je t'ai invité, mon bro. Ah bah ouais, hein. Plein. Et je suis là. Il faut que tu me défendes coûte que coûte. Attends, je te demande d'en aller, mon bro. J'ai pas envie de le faire one shot. Faut que tu me défendes coûte. Tu veux faire l'eau? Ouais, ouais, bah ouais, ouais. Ah bah attends, je suis Keblo. Ah, regarde où je suis. Ah, bloqué. Attends, t'es où?
Normalement, je peux me téléporter. Attends. Ah, t'es d'accord, t'étais là-bas. Bah ouais, je croyais qu'on allait faire un raid. Ah non, mais j'ai besoin de toi pour Trafalgar de Waterloo, mon brother. Ah, c'est un peu plus complexe que ça. T'attends du coup que t'achètes le petit NPC, le truc, et moi je vais commencer à monter dans le laboratoire en attendant. En fait, j'ai pas les fragments pour l'acheter, bro. Ah, ok, d'accord. Attends, je monte là. Ah, téléportation. Nickel, c'est bon. Vas-y, bah, achète bien, et moi je te retrouve dans la petite capsule comme ça. Et les gars, si j'arrive à avoir le Core Brain premier coup, ça serait vraiment incroyable, mais ça me semble un petit peu compliqué. On va bien voir l'eau à quel point il va me faire des damages. C'est que, en vrai, j'ai 7000 PV. C'est peu comme au quêtier. Comme ça va. Normalement, oh non, mais par contre, c'est une shop. Oh putain, j'avais oublié ce petit détail. Non, bah en vrai, les gars, j'ai chichi. Chichi, il va prendre tous les damages pour moi, hein, j'espère. Hein, mon chichi. Ouais, hein, ouais, on va essayer. Hein. Après, je peux pas te promettre qu'il te focus pas. Quoi. En vrai, t'inquiète, hein, tu prends ton petit Bouddha là, ça va le faire. Là, j'arrive, je cours, et je suis là. Hop, saute, et c'est parti, mon kiki. Vas-y, vas-y, Lars. Ah, il est salé, ok, c'est parti. Allez, chichi. Vas-y, go. Mon truc, il est bugué. Ok, c'est pas grave. Il a 250 000 PV. Ça va, en vrai. Ça va, 250k. Attends, il faut pas trop que je te... Je sais pas si on est copains. Bah, si tu m'as accepté, oui, on devrait être copains. Hein. Attends, j'essaie d'esquiver. Ok, ça va, il me fait pas trop de damage, chichi. Ça va, il me fait 1000 okay, de dégâts. Je lui latte la gueule. Ok, je suis vraiment pas prêt de mourir. Attends, hop là, j'esquive son truc. Oh, oh, tu lâches pas. Oh, mais. Oh la légende. Oh, chichi. Okay, oh oui. Oh, tu l'as détruit. Oh, mais attends, mais on lui a mis tellement de dégâts, on a rien de temps, mais c'est la dinguerie. Attends, hop là, j'esquive la petite comète. Mais tu sais que je suis full life en fait. Je suis. S. Ok. Waouh, le karma. Ok, tiens. Bam. Ok, j'ai réussi à faire quelques dégâts, chichi. C'est pas dingue non plus, mais c'est pas si mal que ça. Il a plus que 70 000 PV. Allez, chichi, on peut le faire. Attends. Ok, vas-y, il va me machiner. Vas-y, tape-moi. Pas trop. Ah ouais, je te lève la gueule. Ah, sympa, merci. Ah, c'est chichi, ça régale, ok. Y'a pas de problème. Plus que 10k PV, allez. Ok, je te laisse le finir. Wesh, ouais, non. Alors, les gars, j'ai pas eu le Core Brain, mais j'ai eu Coco. Toi aussi, t'as eu Coco. Mais attends, mais j'ai tout eu, frère. Mais j'ai tellement de luck là sur ce compte, c'est une dinguerie. Je viens d'avoir attends, Coco. T'as pas le x2 Non, j'ai pas le x2 drop. Mais tu sais que j'ai eu la torche premier coup, j'ai Coco premier coup, j'ai eu la clique premier coup, j'ai tout premier coup. J'ai eu un Doug à la factory. Je suis bien prendre tes petits chichis, hein, vraiment. T'es petit nain. Ouais, bah toi aussi, t'es pas spécialement grand. Vas-y, viens, on refait un lot. En vrai, on a été trop fast. Là, je suis sûr qu'on peut le battre une seconde fois. Et là, si on arrive à avoir le Core Brain, bah, ce serait magnifique. Mais si on l'a pas, bah, ce sera pour une prochaine vidéo, les gars. Patience. En tout cas, c'est magnifique. On a réussi à avoir Coco et tout. C'est vraiment, les gars, la vidéo de la chance. Hein. Du coup, on a eu le Fist of Darkness. On a eu Coco. On a eu Zebra. Bon, le Zebra, c'est 100% de drop. Mais on a eu vraiment pas mal de choses en un rien de temps. Ok, c'est parti. Et j'ai la lancée, les gars. Allez, max damage. Oh là là. Mais attends, mais qu'est-ce qu'il fait? Mais attends, je suis tellement en train de l'enchaîner du coup. J'ai mis 40 000 de dégâts. Aïe, c'est pas tranquille. Oh, mais il m'a fait passer 3 niveaux du coup. Oh, ouais, tu passes pas mal de niveaux. Oh, j'ai réussi à le choper. Oh oui. Oh là, let's go. Ok, c'était pas mal. J'ai pas réussi. J'avais réussi après chaque son mouvement. Attends, s'il est trop chope, t'inquiète pas, je sais comment je vais faire. Aïe, arrête, ça devient de l'harcèlement. Ah, oh, il m'a loupé. Ok, pas mal, chichi. Non, ça sera grave. Attends, fais voir si. Oh, je l'ai rechopé. Bon, il est très loin, mais je vais réussir à le rechoper. Reviens. Vas-y. Attends, ouais, j'ai plus rien en fait pour le rechoper. Oh, oui. Ok, mes cooldowns étaient parfaits. Mes cooldowns sont vraiment revenus au tout dernier moment. Ok, il a plus que 70 000 PV, chichi. La légende. Ok. Aïe, sorry. Là, je le mets beaucoup. Là, je le fais très très mal. Ouais. J'ai mis 45 000. Oh ouais, excuse-moi, le Sanguinart level 600, il se fait ressentir là. Ok, il est là, il s'en va. Ok, oh non, pas de Core Brain. 420, ok. Mais bah, oui. Par contre, pas de Core Brain là. Mais par contre, j'ai redébloqué encore 3 niveaux. Oh, je débloque du coup tellement de niveaux en faisant ça, c'est vraiment incroyable. Mais je débloque pas d'XP pour mes guns. Pour genre mon style de combat, c'est un petit peu triste. Et là, du coup, j'ai mes pointos à mettre dans la défense. Et non, mais... toujours pas de Core Brain. Et oui. Oh, je te vois avec des gros pieds. Oh, ouais, j'ai des gros pieds. Ah ouais. Ah, j'ai des gros pieds là, tu me vois? On dirait des pantoufles. Mais vraiment, j'ai des palmes. Grave. Oh, c'est littéralement regarde. Je peux marcher sur l'eau grâce à ça. Ah non, je peux pas. Ah ouais. Ah oui, toi aussi, tu nages bien. Ah, je nage bien. Et voilà, chichi, hein. Il vient de perdre sa série hardcore. Dommage pour lui.
Non mais en vrai les gars, trêve de plaisanterie, on arrive du coup au terme de cette vidéo. On a eu énormément de luck, mais c'est une dinguerie. En vrai, le Fist of Darkness, Coco et tout, ou même tous ces derniers épisodes, on a réussi à avoir vraiment pas mal de luck, et ça c'est magnifique. Merci beaucoup Chichi d'être venu là, m'acheter les petits microchips, et en plus de m'avoir aidé pour faire l'eau, hein, ça m'a été très utile là. Et t'inquiète pas, je referai appel à toi pour avoir du coup mon fameux Core Brain. Sur ce les gars, c'était CRB. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, le petit abonnement, le petit pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne chez Usto bien évidemment. C'était CRB, ciao tout le monde, à la fois prochaine. Que de bonnes choses et bye bye. Bye.